Si tu te retrouves dans une situation où le dragon peut pas sortir dans le bon sens et te casser sur un jump in, c'est réellement la seule réelle forme de cette jump que tu peux faire sur Ryu. Alors évidemment, la solution, il bourre pas le dragon, mais et généralement, c'est ça qu'il faut faire. Si le mec réussit son set jump en face, tu bourres pas le dragon, puisque un set jump, c'est un truc pour faire whiffer ton dragon. Donc du coup, tu te mets dans une situation beaucoup plus difficile. Donc faut piffer la garde, et c'est une situation assez difficile quand même pour Ryu, avec Gen qui a quand même un perso qui gavé de setup comme ça. Regardez là-dessus, et tu peux pas dragonner, c'est pas possible. T'es obligé de mettre ta garde, et la garde elle est pas là. Il l'a mis en cross-off, magnifique overhead encore faufilé. Mais Daigo qui a remporté le dernier set 6 à 4 à présent, avec un stun bien trouvé. Hey, oh, il a voulu changer de stats, il a voulu faire le malin sur HK changement stats. Malheureusement, c'est pas passé. Daigo qui s'offre peut-être ici une chance avec le cross-off medium kick bien gardé et le reprise de contrôle du centre. Light punch, medium punch. Sokuen MP, il a touché tellement loin. Belle chop avec décalage arrière, Tatsume qui cross-off. Ouais, franchement, prendre ça, évidemment, encore avec des Kiro au pif. Cassé par un Dash Ryu, Dragon cancel, l'a pas pris, il a pas peut-être pas assez décalé. Il a pris cette balayette avec un nouveau grattage. Oh non, non, non. Il a cru, il a cru au chip damage ici, Xian. Il a réellement cru. Seulement, il n'était, toujours pas en position. Et encore un match qui se termine au zéro de vital. C'est incroyable de voir à quel point c'est serré entre les deux adversaires. Pourquoi Daigo n'a pas pris son Ryu depuis le 1? Il a voulu faire le malin avec son Yun. Il a perdu 2-7. Avec Guy, il a perdu 2-7 encore. Vous voyez, c'est 4-7 dans le vent. Alors que peut-être avec Ryu, le match aurait été beaucoup plus équilibré. En tout cas, c'est le cas ici. Pour le moment, ça fait 1 à 3. Oh là là, le bout du Yakurenko qui touche et le confirme à la super. Je sais même pas, Yakurenko il était dans le vent, il a juste touché et la super est sortie genre en option select quoi. Pif de Gekiro encore, puni par petit dragon. Il aurait dû mettre Daishoryu peut-être là-dessus, ça aurait fait plus mal. Peut-être il était un peu haut sur la kick, bien joué avec le Xasuma qui stun. Et Metz, bien entendu. Alors ce que ce Metz va tuer, monsieur le réalisateur, c'est bon, il est resté sur le match avec un nouveau Hadoken en mythi. Le Hadoken qui proque le jump in, sur ce jump in il a voulu le punir en overhead, ce que coup peut-être le plus lent de la terre. C'est pas forcément ce qui était le plus indiqué. On va pas offrir une nouvelle balle de match à Xian qui a pas dit son dernier mot. Regardez comme il met une pression, il doit le 4 trouve l'ouverture, mais il est trop loin pour confirmer réellement le combo. Sauvi d'arrière et bas medium kick. Et encore une fois Daigo qui reste dans la partie 6 à 5. Et Daigo qui remonte sur le match-up Gen Ryu. Il en est à comment? Il en est à 4 à 1. Et peut-être que Xian va changer de perso. En tout cas, il a demandé de revenir ici dans la caractère Select Screen. Non, il ne change rien du tout. Il reprend même perso, même ultra. Et juste un petit changement de stage, histoire peut-être d'effacer sa longue série de défaites. Ça aussi, c'est très psychologique, on a le droit de le faire, repasser sur la caractère Select Screen, juste comme ça, histoire de faire un petit vide. C'est une PNL très très rapide, on va dire ici. Mais bon, voilà, ça reset un tout petit peu les esprits. Et maintenant, on repart. Xian qui est réellement pas loin de réussir à battre le Ryu Dumera. Il a déjà réussi à le faire. Mais peut-être qu'à chaque fois, il craque un peu trop de pif de Gekiro aussi. Ouais, c'est une backdash évidemment punie par la balayette avec son gros point. Décalage CNHK cassé par la chop. Et il est arrivé un tout petit peu trop tard ce décalage. Daishoryu reversal counter hit au milieu des links. Daigo qui a toujours pas le temps avec ce swash. C'est pas un cross-up, le saut gros pied. Je sais pas si Umera est au courant. Et ça a jamais fait cross-up de l'histoire de Ryu, il me semble. Soit je si peut-être dans la première version de Street Fighter, si tu es un petit champion édition, peut-être. Et un gros point encore, Yakurenko avec Soit HK. Et là, il la met l'ultra. Il n'y a pas un vieux Sten gros pied qu'on sait pas d'où il vient et qui cherche les embrouilles. L'ultra est là. Le setup à l'enlever. Dash en balayette pour prévoir le backdash avec un cross-up medium kick très bien joué. Ce rythme de LK. Et encore une fois, il se met à distance pour faire whiffer l'îlot du Ryu de Daigo pour immédiatement repunir par un Yakurenko. Balle de match pour Xian à présent. Et ça sent très très chaud pour Umehara, parce que c'est la deuxième balle de match seulement. Daigo a entièrement dominé le reste. Et peut-être que ce reset de stage, ce petit moment pour souffler, lui a servi. Vous voyez encore une saving cassée, c'est le problème. L'option select ici du bas moyen Yakurenko, ou du bas gros point Yakurenko, c'est dans l'option select la plus totale. Et que à cause de ça, eh bien tu peux pas piffer des savings comme ça. Et Daigo il aime bien quand même réussir à placer une saving, parce que c'est vrai, ouais, Stan HK qui est passé entièrement dans le vent là, il maîtrise pas du tout son round. Il essaie de charger la barre de super, prépare peut-être déjà le prochain round. Allez, balayette qui met à terre, attention à ce setup. Il a bien gardé pour le moment. Yakuenko est toujours dans la garde avec encore une saving, toujours Yakuenko là. Heureusement qu'il avait pas la super ici Xian, parce qu'il aurait encore remis du bout du doigt une petite super en plein zizi
d'Umehara, mais ça n'est toujours pas fait. Umehara qui maintenant cherche plutôt à contrôler son avance plutôt qu'à faire mal, ou lui aussi évidemment à rentabiliser, à charger sa barre de super. On l'a vu sur ce vertical Tatsumaki, mais globalement il a peur de faire des boules, parce qu'il ne peut pas faire de boules face à comment à un Gen qui a son ultra inchargé, ou alors faut qu'il soit réellement très très loin. Et Daigo le sait, une boule ça peut être une ultra entière dans la tête, et puis la fin du match. Oui, avec ce dragon, il a quand même utilisé 3 barres pour ce dragon maître. Ça, là, c'est gourmand. C'est très, très, très gourmand. En tout cas, cette deuxième balle de match, elle est sauvée, mais peut-être pas salutaire. Sans barre de super, avec une barre de super complète face à lui, et des footsies qui poussent ici Umehara dans le coin en moins de 10 secondes. Évidemment, bas gros pied anti-Tatsumaki cross-up. Il réussit quand même à s'en faire du coin avec un Daishoryu au milieu des links, et la chop qui est bien échoppée de MK Shakunet. S'il a pas de quoi mettre quelque chose d'autre, il se remet dans le coin tout seul ici Umehara, avec ce son medium kick qui a cassé. Il ne peut rien faire, quasiment, le mec il saute dessus, c'est gratuit. Daigo qui reprend encore le super, alors que ce Yakurenko a touché pile poil du bout du doigt. Évidemment, ultra garanti juste après. Qu'est-ce qu'il va nous faire en Okidze? Mais ici, changement de stance avec le cross-up medium kick et toujours le pressing balai kick. Stand medium punch counter et balayette avec ce cross-up bien gardé. Daishoryu mid link, attention à cette nouvelle chop. L'Okidze mais Umehara t'as ce cross-up, mais même pas le mettre sur la kick qui est évité par un back dash. C'est terminé, 2 LK et pas gros point. Et c'est fait, Xian remporte cette grande finale du SIA Major 2012, le Road to Evo 2012 à Singapour. La grande finale face à Umehara Daigo, elle est remportée par cet homme et ce gain d'une solidité à toute épreuve. Le grand Daigo, la bête qui ne s'est pas réellement réveillé, peut-être ici, ou réveillé peut-être un peu trop tard dans ce match, avec un Ryu qui a fait acte de présence, un 4-2 en faveur de Umehara sur le match-up Ryu, mais qui arrive beaucoup trop tard. Des choix très étranges. Alors évidemment, il n'a pas d'objectif de gain, et son but c'est l'entraînement évidemment pour l'Evo. Le but ultime c'est l'Evo, mais c'est tout de même pas spécialement rassurant. Et j'ai envie de dire, si justement, tu dis de la merde Ken Bogard, c'est rassurant. Bien entendu que c'est rassurant, parce que le fait de voir des joueurs comme ça tenir tête à Daigo, ce qui, il y a quelques années encore, n'arrivait absolument pas, est rassurant, puisque nous voyons évidemment de plus en plus de joueurs capables d'être aussi forts, voire même plus fort que Daigo, parce que le niveau de jeu augmente partout. Bien entendu que c'est rassurant. Voilà, j'espère à tous que vous avez grandement apprécié ce défi. L'actualité, hein, évidemment, aujourd'hui, c'est Umehara, Daigo, Emago et Momochi, tout ça qui était présent ce week-end au CIO, avec évidemment la crème de la crème des joueurs américains et des phases finales qui valaient le coup d'œil, qui seront bientôt uploadés sur le channel de Tip Spooky, que je vous proposerai bien entendu en cast sur Showprime dès que le site sera sorti. D'ailleurs, pour suivre tous les avancements de Showprime, hein, et bien entendu, n'oubliez pas de suivre la page Facebook et Twitter, showprime.com en toutes lettres. Au moment où je vous parle, hein, le lancement du site ne devrait réellement plus tarder. Je suis au courant de beaucoup de choses et je peux en dire très très peu, malheureusement. C'est ça qui me met un peu toujours dans l'expectative. J'espère en tout cas que ce défi vous aura fait plaisir. Il était absolument magnifique en tout cas, et c'est vrai que c'était très 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 beau. La Topanga League, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est une histoire de pouvoir ou non récupérer les vidéos, hein, c'est toujours ça. On m'a souvent fait le reproche, pourquoi tu ne me proposes pas la Topanga League? Mais je peux pas vous proposer ce que je n'existe pas, vous comprenez ça? C'est je me retrouve souvent, hein, dans ce genre de petits mind game, hein. Faut bien savoir que je ne suis pas maître de toutes les vidéos qu'il y a au monde. Et bien entendu, et bien, autre actualité, Mago par exemple qui reste aux États-Unis chez Justin Wong jusqu'à l'Evo. On le verra donc probablement au WNF de demain, il me semble, ou d'aujourd'hui, je ne sais plus quand c'est. Non, Wednesday Night Fight, ça doit être vendredi, si je ne me trompe pas. Donc de demain, les WNF sont des petits rankings aux États-Unis, mais au moins ils ont le mérite de faire des petits rankings qui regroupent autant de joueurs que nos très très grands tournois.
et qui sont eux hebdomadaires. C'est vrai que ça fait un tout petit peu peur. Ne raterez pas non plus ce week-end le God Summer Edition. N'oubliez pas de vous inscrire, évidemment. Je serai présent ce week-end, c'est un samedi, mais surtout à mon avis dimanche pour le solo de Street Fighter 4, afin de vous commenter le tournoi en direct live sur le stream présenté par Dantacave. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette grande finale du SEA Major 2012 et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos commentées en français.